Re, chers amis. Voilà, bon bah écoutez, il y a eu un gros bug de son, excusez-moi, bon bah, salut les viewers, c'est Marcus Benus, je suis désolé pour le problème de son. Je disais donc oui, on va descendre avec la pièce qui me semblait intéressante. Bon, c'est un gros bug de son, heureusement que je m'en rends compte finalement, que tous les pièces n'y aient pas passé. Donc on va prendre des munitions à fond, parce que là on va en avoir besoin, clairement. Hop. Le son me semble extrêmement fort. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu de gros problèmes avec, avec le jeu, et le PC. Je sais pas si ça vient de là. J'ai combien de munitions sur moi? 64, c'est passé. Je vais en avoir 100. 100 ou 120. Potentiellement 120. Allez. Allez. Voilà. Ça fait 112. Balle de 9 mm, pareil. J'aimerais pouvoir augmenter le nombre de munitions faites d'un seul coup, quoi. Ce serait tellement cool. Ah putain, là je peux pas. Voilà. Là on fait le plein, chers amis, parce qu'il faut, là, à mon avis. Hein, ça va être un moment crucial. Si je puis dire. Clairement... Ça va pas être un moment rigolo à mon avis dans la... Dans la game. La musique, l'ambiance, ça montre bien qu'il va y avoir un problème. Hypopsie. Ok, j'en ai 6 dans l'inventaire, on continue. Hop. Ok, kit de secours, j'en ai combien? J'en ai un. On va en créer un paquet là. On va en créer un paquet aussi. Ok. J'aimerais bien pouvoir en mettre plus quoi, que tu m'en crées un million d'un seul coup quoi, parce que là c'est long comme ma bite. C'est pas flippant du tout en plus hein. Allez! Bon, on va s'arrêter là parce que c'est trop long. Hop, ok, la suite, sauvegarde en cours. On est bon. Ok. Poltergeist à l'intérieur. Non? Étrange, j'aurais juré, vous voyez, j'aurais imaginé un poltergeist. C'est quoi cette petite musique au piano? Juste absolument adorable. Tous ces antirades. 1. Magnétosphère. 2. Réseau d'alimentation des sous-stations. 3 anneaux photovoltaïques, 4 gravité, système de support de vie et 5 réacteurs principaux. 10, 16, 76. D'accord. Bon alors attendez. J'ai pas fini de me balader dans la région. Cool. Cool, cool, cool. C'était ça que tu demandais à réparer de l'autre côté de la vitre? Peut-être. Bizarre. Bizarre si c'est le cas. J'ai jamais compris ce que c'était que ce bruit là. J'imagine que je vais le savoir bientôt. Ouais. Ok, c'est bon. Allez, vas-y. Reçu. Inventaire. Y pour trier et on est bon. Allez, vas-y. Oh bien. Oh bien, la pile bien droite de matériaux comme ça, c'était. C'était encore jamais arrivé. Il y a encore un trou là. Ah oui, non, ça c'est les cages d'ascenseur. Tourelle. Ça m'intéresse les tourelles. Niveau 3. C'est parti. J'ai perdu du temps. Hop. F.
je perds énormément de temps. X. X. C'est bon, on a réussi. Ouh. Dans l'U du slip, mais on a réussi. Ok. Aucune des tourelles n'est active. Ce qui en soi est une excellente chose. Mais ce qui va aussi me forcer. Ah, je peux les fortifier. 3 et 3, 6 et 3. Ah, oh, c'est génial, je peux toutes les fortifier si je veux. Modificateur d'armes, ça c'est cool aussi. Je peux toutes les fortifier, ce qui est une, à la fois une très bonne et une très mauvaise chose. Je m'explique. Si le jeu me dit que j'ai 4 tourelles à prendre, c'est absolument pas bon signe. Piratage. Ok. Mais moins facile, c'est sympa. Hop, W. C'était une blague, hein. C'était absolument ironique. Hein. Oh putain, il est absolument extrêmement dur. Voilà. On y retourne. Forcément. X. Et merde, et merde. Et merde. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Allez. Hop. W. W. Ok. Cette fois-ci, c'est bon. Je vais te fortifier, je sais pas si visuellement... Non, visuellement ça change strictement rien, ta gueule. C'est presque dommage. Bonjour, puis-je te porter s'il te plaît, merci. Voilà. J'aimerais te déposer ici si ça te dérange pas. Parce que je m'attends à avoir des emmerdes. Alors genre des grosses emmerdes. Hop. Celui-là je commence à le connaître. X. Voilà, celui-là je commence à connaître un petit peu quand même. Voilà. Allez, on y va. Je suis pas fou, hein. Je m'attends bien à une catastrophe incroyable, genre. Genre 1 million de ces saloperies, mais. Bon, je suis du genre à dire qu'on sera jamais à suffisamment près. Dans le mauvais côté. Voilà, c'est bon. On va dire que c'est bon. Ouh, pas passé loin. Voilà. Comme je l'ai dit, je commence à le connaître. Voilà, c'est vraiment pas le plus dur. Il paraît être le plus dur, mais en fait non. Celui-là, c'est que de la gueule, comme on dit. Et vous allez voir que je pense que quand on sera en dessous, on va entendre tirer. Selon moi, c'est gros comme un camion. On verra bien hein, si je me trompe. Ah, ça m'arrive de me tromper de temps en temps. Mais là honnêtement, j'ai de maigres doutes sur le fait de me tromper. Si je me trompe, tant pis. Hein, on aura juste passé du temps à s'amuser avec des tourelles et à prévoir des choses qui n'arriveront jamais. Mais selon moi, il y a un risque potentiel assez... Ah, j'ai chié dans la colle. Je pensais que je pouvais la reposer par-dessus, mais j'ai un doute. Si c'est pour la coincer derrière la boîte, c'est pas la peine. Bah voilà. Quelque chose me dit que c'était pas loin. Ok, F. F. Ok, cool. Facile. Et voilà, parfait. Bon, tout est fait. Tout est fait autour, donc sauvegarde. Est-ce qu'il va me falloir un objet maintenant ici? Accéder aux interrupteurs d'urgence. Interrupteur principal,
Support de vie, gravité. D'accord. Veuillez vous référer au manuel de procédure. Avant de l'extinction du réacteur, les interrupteurs d'urgence de tous les services principaux doivent être éteints dans l'ordre suivant. Magnétosphère, réseau, anneau, gravité, système, réacteur. Magnétosphère. Putain, j'ai déjà oublié. Réseau d'alimentation des sous-stations. D'accord. Anneau photo. Gravité. Support. Bah, c'est... Ok. Lancer le redémarrage. De l'arrêt, pardon, oui, excuse-moi. Ok. Ok. Ok, on est en full. Ok, cool. Préparer ou remplacer le diverteur endommagé, putain. Cet imbécile était censé vérifier ses partiteurs il y a une semaine. Je l'ai. Ah putain, faut que j'aille à l'intérieur. Putain. Ah, on peut tenter un truc. Regardez. Manipulation à distance. Voilà. Ensuite, je prends la greu. Je balance. Ok. Ce qui m'en fait un. Pardon. On a un problème, Houston. Hein. Voilà. Salut les filles. Comment ça va? Il en reste un encore? Oh là. Attendez, je suis en full... full radiation, là. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Normalement, j'ai des trucs anti-radiation à chier partout. Normalement. Là, voilà. Utiliser. Voilà. Allez, on y va. Le diverteur. J'ai oublié le diverteur. Hop. Mais j'en ai un neuf. Ah, voilà. Ok, je sors l'endommagé. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je fais les choses bien. Hop. J'imagine qu'il va falloir que je redescende dans très peu de temps, donc... c'est pas grave. Reprendre le redémarrage. Ah, vache. Passé un truc pas normal. Je vois que les ascenseurs et les sas sont alimentés. D'accord. Mais je détecte beaucoup de surcharge et de fuite dans la chambre de refroidissement. D'accord. Fais attention en revenant. Les autres structures sont peut-être endommagées. Ok. Yes. Bon. Oh, je vois. Tu as tout réinitialisé. C'est journée porte ouverte sur Talos One à présent. Malin. Dangereux, mais malin. Ça fait plaisir de voir que certaines choses n'ont pas changé. Je ne te mettrai plus de bâtons dans les roues. Tu mérites de connaître la vérité. Toute la vérité. Viens dans mon bureau.
Apparemment, il a changé d'avis. C'était fou. Je sais pas ce que c'était, mais c'était flippant. Si c'est une sorte de blague, le courant semble revenir. J'espère qu'il en est. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain, il a une tourelle sur lui. Oh putain, j'ai placé les tourelles et en fait elles sont contre moi. C'est ça que le jeu est en train de me dire là. T'es sérieux, bonhomme? Ok, je suis sur le point de mourir. Parce qu'il a une saloperie. Choc psy, je crois que c'est ça. Hein. Et qu'il est hors de portée. Ah, vache, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Non. Ok. Cool. Toutes les tourelles que j'ai placées, regardez, sont HS. Toutes mes tourelles sont absolument HS. Putain. Et je me fais rect. Donc en fait, tout ce que j'ai placé avant m'arrête ensuite. Ce jeu est génial. Ce jeu est absolument génial. Comment je vais faire? Limite, il m'aurait fallu des fantômes, quoi. J'ai que ça, hein. Je vois que ça pour le faire. Ça a marché. Je vois que les ascenseurs et les sas sont alimentés. Mais je détecte beaucoup de surcharge et de fuite dans la chambre de refroidissement. Ils sont deux, hein. Fais attention en revenant. Les structures sont... C'est ça le problème. Putain, et je suis mort. Je sais pas comment je suis censé les rect. C'est fou, hein. Ils font super mal. Honnêtement, je sais pas. Je suis passé par là, il y avait une trappe, mais elle a été explosée. Détecte beaucoup de surcharge et de fuite dans la chambre de refroidissement. D'accord, ils ont pété toutes les tourelles. Les structures sont peut-être endommagées. Ok, cool. Génial. C'est l'heure de la fuite du Marcus, quoi. Ces journées portes ouvertes sur Talos. Ah, c'est long. Malin. Dangereux, mais malin. Ça fait plaisir de voir que certaines choses n'ont pas changé. Je ne te mettrai plus de bâton dans les roues. Tu mérites de connaître la vérité. Allez, toute ouvre. La vérité vient dans... Merde. Mon bureau. Ah, c'est bon. Morgan, c'était vous? Je sais pas ce que c'était, mais c'était flippant. Tu m'étonnes. Si c'est une sorte de blague. Mais non. Le courant semble revenir. J'espère qu'il en est de même pour l'ascenseur. J'ai déclenché l'alarme de gaz dans la chambre de refroidissement après avoir redémarré le réacteur. Les turbines sont refroidies à l'hydrogène. Bonjour. Et maintenant elles fuient. Appuie sur la gâchette et ce sera le dernier son que tu entendras. Ça reviendrait à t'asseoir sur une grenade dégoupillée. Au pire. J'ai fait de la merde. Apparemment, j'ai fait de la merde. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que... Ah, j'ai envie d'y aller.
Juste pour la forme. Alerte. Juste pour la forme. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. C'est débile. Niveau dangereux. C'est débile. Mais attends, du coup, attends, est-ce que j'ai quelque chose qui... Ah bah oui. Veuillez évacuer et éviter toute flamme et étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Alerte, alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Ouais, donc. Je peux créer une flamme dedans. Si je suis pas dedans, ça ne tuera rien. Si je suis dedans, ça tuera tout le monde. C'est logique. C'est. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif. Hop, vas-y, fais péter. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode, les amis. Salut!